Bonjour, c'est Amel Benz avec vous. Vous êtes dans la cuisine d'Amel Benz. Donc bonjour à tous mes abonnés, mes amis, tous les gens qui me connaissent, à tout le peuple d'Internet. Donc vous êtes dans ma cuisine et donc à l'occasion du mois de Ramadan, que je souhaite un mois riche, béni pour tous les musulmans de France et pour tous les musulmans du monde. Donc c'est un mois de spiritualité, un mois de méditation, un mois de jeûne et en même temps un mois de fête, hein, de fête familiale. C'est le mois où la famille se réunit et la famille mange ensemble. Et c'est vraiment l'ambiance de Ramadan, c'est génial. Donc, et bien sûr, c'est une ambiance qui est très chaleureuse, qui est très, très dynamique. Et tout ça grâce à la cuisine de nos mères, des femmes. Donc les femmes jouent un rôle très 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 important dans l'animation du mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, à l'occasion du mois de Ramadan, je vais commencer un nouveau cycle de vidéos. Vidéos consacrées à la cuisine. Donc la cuisine, notamment la cuisine maghrébine, la cuisine Maroc, Algérie, Tunisie. Parfois aussi la cuisine française, la cuisine européenne. Mais je vais quand même varier les recettes. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un plat très ancien, un plat très typiquement tunisien qui s'appelle nouasr. Alors nouasr. Donc en fait c'est un plat qui est composé de pâtes vraiment très particulières. Ce sont des pâtes qu'on trouve en Tunisie. Ils ne sont pas vendus, je pense, en Algérie, ni en Maroc, ni en France, mais on peut les remplacer par autre chose. Hein. Donc ces pâtes-là, si vous ne trouvez pas les mêmes en France, vous pouvez les remplacer par des pâtes similaires. Donc, les pâtes noires, c'est ça. Vous voyez, ce sont des pâtes sous forme de carré. C'est très 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 fin. Ce sont des pâtes très très fines. Vous voyez comme sont très fins. Donc voilà, très très fine, parce qu'il faut les préparer à la vapeur. Alors puisque donc ces pâtes ne se vendent pas nulle part à part la Tunisie, vous pouvez les remplacer par d'autres pâtes. Donc moi je propose ces papillons qui sont aussi fins. Et donc là on peut les préparer, les remplacer noisses par ces pâtes papillons. Sont disponibles dans toutes les grandes surfaces. Donc voilà, vous avez 250 g de pâtes noisses ou bien des pâtes de papillon qu'il faut bien mélanger avec 4 cuillères d'olive, d'huile d'olive, donc 4 grandes cuillères de soupe. Bien mélanger, bien imbiber. Si jamais vous voyez que les pâtes ne sont pas suffisamment imbibées, il faut rajouter, n'hésitez pas à rajouter encore un peu d'huile. Bon, moi je l'ai fait à l'œil nu, donc vous pouvez rajouter encore 2 cuillères de soupe pour bien mélanger. Et il faut vraiment que la pâte s'imprègne de l'huile d'olive. Vous savez que l'huile d'olive, c'est vraiment spécifique à la cuisine méditerranéenne. Ensuite, vous passez les pâtes à la vapeur dans un couscoussier. Donc, vous laissez cuire pendant 1 heure donc, à la vapeur. Ensuite, vous éclaboussez avec l'eau froide et vous laissez encore cuire encore 1 heure à la vapeur. Donc, c'est un cycle assez long. Donc voilà, les épices, il faut absolument donc, du gingembre, du poivre blanc, du curcuma et du poivre noir. Maintenant, on va donc commencer à assaisonner le poulet. Donc on va préparer nos épices. Donc voilà, on commence à préparer les épices d'abord. Donc voilà, du curcuma. Ensuite, du poivre blanc. Du gingembre.
Donc, gingembre, il faut faire plus, hein, il faut donner, mettre beaucoup plus parce que ça donne un bon goût. C'est vraiment ça, ça rend le repas très très bon. Et du poivre noir. Alors, un peu de colorant, pourquoi pas, pour donner une couleur dorée au plat. Et bien sûr, du safran, hein, le safran, quelques miettes de safran, bien sûr, qui donne un goût très très succulent. Alors, bien sûr, il faut mettre au moins la moitié d'une botte de coriandre, coriandre vert. C'est vraiment c'est très important dans la cuisine maghrébine, le coriandre, qui vraiment il occupe une place très très importante. Et de l'ail écrasé. Alors ici j'en ai mis un peu beaucoup quand même, pour vraiment pour bien couvrir le goût du poulet. Donc le poulet adore l'ail. Alors, donc avec toutes ces épices, on va préparer une sorte de crème. Voilà, donc à peu près 3 cuillères de soupe d'huile d'olive. Bon, moi j'ai l'habitude, donc je fais à l'œil, je mesure à l'œil parce que j'ai de l'expérience. Et on mélange les épices, le coriandre et l'ail, et pour en faire une sorte de crème pour badigeonner le poulet. Alors le poulet, bien sûr, au préalable, il est lavé, nettoyé. Qui est déjà prêt bien avant la préparation de cette crème. Alors bien sûr, j'ai failli oublier le sel. Voilà, donc du sel pour compléter la crème des épices. Bien mélangé, hein. Et ensuite on va chercher le poulet, et on va badigeonner le poulet de manière complète. Voilà, bien badigeonner, bien imbiber le poulet avec cette crème d'épices. Et voilà, donc je pense que la crème, elle était juste faite pour ces quelques morceaux de poulet. Donc j'ai bien mesuré la dose. Et voilà, donc ensuite vous allez mettre 1 litre d'eau dans le plateau, et vous enfournez au four. Simplement. Donc vous laissez cuire dans le four, mais lorsque vous sortez le plat du four, il faut absolument que la sauce reste présente dans le plat pour pouvoir assaisonner ensuite les pâtes de noisr. Et si jamais vous n'avez pas suffisamment de sauce, il faut rajouter de l'eau et du citron pour pouvoir avoir la sauce. Donc là, les noisettes sont prêtes, elles sont cuites. Et voilà, donc je vous laisse regarder l'état final du plat. Donc c'est donc des pâtes avec du poulet, hein, finalement. C'est vraiment un plat très simple, mais en fait une partie qui se prépare à la vapeur et une partie qui se prépare dans le four. Bien sûr, vous avez aussi le choix de préparer la partie dans le four dans une gamelle, dans une sauce normale, et vous le préparez comme un ragoût normal, ce qu'on appelle en arabe la marqa.
Si vous aimez les légumes, bien sûr, vous pouvez rajouter un peu de pommes de terre, des carottes pour garnir l'assiette de noisel. Et finalement, donc, j'espère que la recette vous a plu et j'espère que vous la réussissiez. Bon, donc je vous dis au revoir et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup, au revoir.